c'est ça, j'espère que vous allez bien, ça se passe. J'ai un nouveau micro, ça c'est cool. Je vais venir sur son mode en partie pour vous montrer une démonstration du DLC Chaos. Là, il n'y a pas quand même beaucoup de vidéos. Donc en gros, c'est ça en fait, les opérations spéciales, et c'est un peu en plus, c'est 4 missions. Et bah, du coup, on va commencer par la mission plein feu, et on se retrouve tout à l'heure quand la partie sera, enfin, quand le chargement sera fini. À tout de suite. Gros donc, voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on peut contrôler l'hélico. Donc ça, voilà. Comme là, par exemple. Et le but. Faut tous les ennemis par enfant. Jusqu'à quand on a trouvé les 4 renseignements. Allez, oui. Alors. Ça va être aussi celui-là. Ah, attends, je me dépasse un peu parce que je vais me faire. Voilà. C'est pas bon quand tu mets tous les couteaux, ça me va pas. Ça prend pas un peu de mieux. Voilà. Donc en fait, il va me poser. Il va me poser. Du coup. Pour que je puisse récupérer. Et ensuite, on va retourner avec l'autre. Allez, c'est parti. Moi, je prends une heure carrément. Voilà. Oh, j'ai oublié que je suis mort. Là, il va y avoir 3 ennemis sur le point. Bim. Comme vous voyez, c'est vraiment simple. Merde. Alors, ce qu'on va faire, on se retrouve tout à l'heure. Je vais faire une ellipse jusqu'à quand on vient ici, ok? A tout. Ouais, je peux revenir ici et c'est facile, c'est bon. On va continuer. Tu me parles, mais tu es sous la gueule. Il va réussir, balance une grenade flash. Hop. Je vais avoir une relance une. Voilà. Donc là on va poser une charge. Et c'est parti. Alors attention. Là, hop.
Ah, quand je joue comme toi, c'est bizarre. Hein. Quand je joue comme toi, c'est bizarre. Voilà. Donc ici on arrive sur l'étage. Bon boulot. Maintenant il faut le sortir d'ici. Vivant. Donc là en fait on va remonter dans le dos. Voilà. On va attendre que l'étage rentre. C'est bon. Là on va envoyer une fusée pour que l'on puisse en partir et vous allez voir le tir. Non, 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 non. Bien reçu, je l'engage. Tir effectué. Attention à vous, je répète, attention à vous. Bon. Cette mission a été réussie. Maintenant on va passer à la mission livraison spéciale. Et du coup on se retrouvera après quand c'est bon. Tout de suite. Alors, Rose. Alors pour dire c'est le tir rapide, le chargement. Déjà on va prendre un sniper et ça. Alors ce qu'on a l'avantage c'est qu'on peut balancer les colis. Par exemple on peut avoir une arme. Ou par exemple une tourelle. Vous allez voir. Tiens, là une tourelle. Oui, tu peux utiliser. Attends, eux ils vont mourir. En gros, c'est une aile au quand tu soutiens rien. Et ce qui est marrant sur cette mission, c'est que les instruments sont presque résistants. Vous verrez ça tout à l'heure. C'est cool, on va voir. Là, j'ai pas vu. Mais heureusement, j'ai bien vu. Alors, vous allez voir qu'il y a un instrument ici. Et du coup, on va attendre. Attends que je meurs. Quand on lui tire dans la tête. Oh, il est mort. Attendez, un petit bon appel pour lui. Hop. Alors, donc vous voyez, c'est pas trop récent. Alors, du coup, je vais relancer un coup de. Colis stratégique en approche. Donc, ça, c'est un lance-grenade en fait. Donc, pour ceux qui se posent la question. Colis stratégique en approche. Là j'ai une tourelle. Je vais la mettre ici. Après vous pouvez en avoir des inimitiés jusqu'à la fin. Une histoire sera rapide, mais voilà. On va dire que ce sera en... Je pense en deux épisodes. Alors vu que le pack DLC, enfin vu que l'émission c'est un petit peu longue. Du coup... Bon, on va filmer. Voilà.
Alors là, il y en a un autre. Par contre, je sais pas si je vais résister. Ah oui, le sniper. Ça résiste pas trop au sniper. Donc là, tu vas lancer un colis. Et est-ce que ce qui est bien, c'est que les coscopes sur cette map, enfin sur cette mission, c'est très sympa à faire. Pas très résistant à ça. Donc, ensuite, on va capturer ça. Alors, par contre, il y a un masto. Alors, là, il y a un ennemi ici, mais par contre, je vois pas un masto. Alors, attends. Ah, il est là. Bon, on va prendre des armes comme ça parce que... Ouais, comme ça. Parce que vu que je n'ai plus de munitions... Ce qui est marrant en fait, parce qu'en colis, à chaque fois il y a un hélico de destruction qui arrive. Des amis. C'est marrant ça. Enfin, pas souvent, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, je sais. Je vais me prendre pour un fou. Voilà. Ça déjà mort. Je vais balancer un colis. Alors. C'est quoi mon colis? Oh, il faut ressortir. Bah oui, alors. Voilà. Hop. Alors attendez, je vais en finir. Alors, je vais réanimer depuis. C'est bon. Alors. Du travail bien fait. Donc, maintenant. On va faire cette mission là, du coup on se retrouve tout à l'heure, dès que le changement est fait, à tout de suite. Bref, bon, en fait on n'est pas seulement dans un drone, en fait on peut contrôler, en fait pour marquer là où on mettra des explosifs. Du coup, il va revenir me voir normalement. Le point clé est identifié, posez la balise. Ah oui, je voulais le sniper. Voilà. Car vous savez que sur ce jeu, c'est très bien. Enfin, pour des missions de ce type. Alors attendez. Voilà. Ça se fait là. Ah oui, pas de mort. Voilà. Bien joué. Balise en place. Donc là. Les deux suivants endommageront la structure du navire. Hop, on va éliminer cela. Il faut couler ce rongeur. Utilisez le drone pour marquer les points clés. Donc ça c'est fait. Balise posée. Beau travail. Un de plus pour la structure.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ici. Déjà ici. Oh. Attends, je me tire dessus. Bah ouais, mais c'est votre squelette, mec. C'est bon. Hop, oh, punaise. Hélico ennemi en approche. C'est bon. Bon travail. Placez la dernière sortie. Alors, on va pas marcher. Et après il va falloir vite courir. Les missiles sont lancés. Bravo 3. Ralliez les stations pour les vagues. Donc là c'est bon. Montez dans l'hélico et fichez le camp. Vous allez voir qu'il va exploser, c'est là. C'est vraiment du beau boulot. Comme je l'ai dit. Alors pour vous dire, on va pas faire celle-là, je suis désolé, hein, elle est un peu dure. Du coup, on va attaquer direct en mode chaos. En gros, c'est ça. Il faut survivre le plus longtemps possible. Du coup, on se reprend à l'heure. Donc, moi, ce mode, j'appelle ça le mode sans pitié. Pourquoi sans pitié? Car vous mourrez instantanément, il y a des ennemis partout. Peu importe la map où vous jouez, c'est tout ça. Hop. Et du coup, ça s'arrête jamais. Attention, c'est chronométré. Du coup, en fait, on a des colis qui arrivent autour, en dame, bien évidemment. Et il y a aussi des nouveaux menus par rapport aux monstres. Donc là, hop. Donc voilà, en gros on a un terminus là. Hop. Attendez. Hop. Comme vous voyez, c'est une autre compliqué. Ça, ça ressort. En fait, on doit un autre niveau. Attention, on a pas ça. Alors par contre. Hop. Trois, bonne gâchette.
Vous voyez, ça coule. Et c'est galère. Là. Là, pour faire en servir le combo. Alors, on reprend pad. Hop. Oh, hop. Régénération de santé rapide. Hop. Triple élimination. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 Pack DLC Chaos. Likez la vidéo si ça vous a plu, dites-le aussi dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao.